Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, des idées originales à consommer. Le nombre à retenir, c'est 22 millions. Vous qui vous apprêtez à vous offrir des cadeaux en cette période de fin d'année, sachez qu'environ 22 millions de téléphones mobiles seront vendus en France en 2010. Plus de 60 000 par jour. C'est l'appareil électronique que nous nous offrons le plus. Et en même temps, un de ceux qui se recyclent le moins bien. Consommer mieux, ça commence dès le matin, pendant votre toilette. On a tous eu droit aux campagnes de sensibilisation qui nous demandaient de bien penser à fermer le robinet pendant qu'on se brossait les dents. Eh bien, vous allez pouvoir bientôt vous passer également de dentifrice grâce à la brosse à dents écologique. Cette brosse à dents intègre une tige en titane photosensible. Quand vous exposez la brosse à dents à la lumière de votre salle de bain ou à la lumière du soleil, la tige en titane à l'intérieur transforme la lumière en ions négatifs. Ces électrons, chargés négativement, se mélangent avec la salive pour attirer les ions positifs de l'acide de la plaque dentaire. L'acide est alors neutralisé et la plaque est désagrégée. Pas besoin de pile pour la faire fonctionner puisqu'il s'agit d'une réaction du titane à la lumière. Peut-être une idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Une autre idée originale de cadeau, et je dirais même plus, une idée renversante, c'est la plante dépolluante à l'envers. Et oui, grâce à un pot à forte rétention d'eau, il est possible désormais de suspendre vos plantes au plafond, les feuilles poussant vers le bas. Une idée déco, originale et design qui risque de surprendre pas mal de vos invités et qui, outre l'esthétique, possède de vrais atouts. Elle nécessite jusqu'à 80% d'eau en moins par rapport à une plante classique, environ 3 verres d'eau tous les 10 jours, grâce à son système d'arrosage qui ne laisse passer aucune fuite et empêche l'eau de s'évaporer. De plus, elle occupe moins d'espace car suspendue à votre plafond et nécessite peu de luminosité. Ça tombe bien parce que vous avez tout utilisé avant pour votre brosse à dents. Bref, une belle plante qui vous fera tourner la tête. La palme revient à Pacific Art Design qui a créé le Trendy Tube. Un fût en carton et métal, multi-usage, décoré avec du papier peint ou des motifs d'artistes, et qui se transforme en coffre de rangement, en siège ou en petite table. Ils donnent une seconde vie aux matériaux récupérés, travaillent avec les prisons françaises et des sous-traitants de la région, et ont conclu des partenariats avec des industries afin de récupérer un maximum de déchets recyclables. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite de très bonnes fêtes vertes et durables, évidemment. À bientôt.